Après conférence là, protestataires ont été dirigés devant KIPA à Pétionville puis ont été fait voir au passé. C'était occasion pour ancien ministre Felito Doran te expliquer raison qui t'a fait habiller en blanc avec baleine dans main yo. Ancien candidat pour poste député Delma Harrison Ernest t'a profité longe droite sous plusieurs membres conseil là, il fait connaître qu'il t'a sous contrôle quelques partis politiques. Felito Doran avec Harrison Ernest toujours dans micro radio télé Kiskeya. Nous venons là de façon symbolique pour nous exprimer mes contentements et pour nous brandir haut droit que nous gagnons comme candidat pour nous participer dans l'élection. Nous dit encore KEP au pont, Marie-Camel Paul Austin, Némi Joseph, voulez passer droit nous en bas pied. Ils ont violé droits civils et politiques nous. Comme étant des citoyens, nous faisons toute action pour nous éviter ça. Nous demandons une élection inclusive côté pour tout candidat participer dans l'élection. Et ce n'est pas KEP qui pour bailler canet, c'est le peuple qui pour bailler canet. Là, nous constatons que KEP ça a mis des gens dehors pour capable favoriser une plateforme politique. Nous disons nous pas arrêter coucher pour que KEP ça marche sous nous. Parmi en pile mouvement d'affaires, aujourd'hui, nous venons du KEP. Nous pas d'accord avec l'exclusion. Nous voulons élection démocratique, élection honnête, élection transparente, élection inclusive. Chaque fois que vous signalez à conseil électoral, Jean Lapage, méthodologie, lui, pas bon, vous brandit la Constitution. Nous voulons dire, tout le monde qui suit nous, qui attendait, que si c'était pour la Constitution, 9 personnes dans le conseil électoral, pas là. Premièrement, c'est parce que justement, pas de constitution qui fait président, c'est un décret te prend pour que justement, il y ait KEP 9 membres là. Donc, KEP 9 membres là, c'est un décret formel, constitution pas bail droit pour un décret. Deuxièmement, c'est parce que c'est pas constitution qui a pas appliqué, c'est parce que pas de parlement qui fait son décret qui prend pour mettre un décret loi qui pour permettre KEP 1 qu'on est en fonction de qui ça pour le marché. Troisièmement, si c'était constitution, KEP ça, t'as pas obligé. Plusieurs monde qui l'a dans t'as gain des charges parce que article 241 non décret électoral dit conseil électoral provisoire, l'hérité de même privilège à conseil électoral permanent, donc même exigence qui fait à conseil électoral permanent, yo fait tout à conseil électoral provisoire. Ça t'a voulu dire qui ça? Ça voulait dire que M. Opon, Marie-Camel Paul Austin, qui est professeur dans la réunion de Gavel, qui acceptait, il n'y a pas de change parce qu'il te dit qu'il n'y a pas de folie job, il est prêt pour l'aller. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde qui l'a eu, pas demandé personne aller, mais il a dit fait bac dans le cadre de consensus qui te mette décret électoral là, dans le cadre consensus qui te mette 9 membres KEP, dans le cadre consensus qui mette gouvernement ça, parce que ni M. Evans Paul, tout ministre qui l'a, tout gouvernement, yo illégal, yo de facto. Et puisque, justement, jodian, c'est consensus qui a fait tout bagay, jodian, nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous-mêmes, femmes et garçons, qui excluent, alors que yo di a fait élection inclusive, démocratique, yo paraît à un bon épithète qui passe en bleu, mais jodian, nous dit, nous voulons consensus. Nan.